Jasage de jeu de rôle pour le RPG A Week 10. Deuxième question. Toute une semaine ici, hein, on y va en deux au lieu d'une. Je ne sais plus exactement de la question, parce que là, je peux pas l'écouter, je suis là à mon champ et tout. Mais ça avait rapport avec la bouffe. Ça, je me souviens, parce que moi, quand ça a rapport avec la bouffe, je m'en souviens, tu sais. Hein? Pas un petit gros pour rien, moi, Grèce. Non, mais c'est ça. Fait que je vais vous parler de la bouffe, tu sais. En plus, je m'en vais souper, tu sais, j'ai faim, ça donne bien, tu sais. Fait que, en gros, à notre table, ben, ouais, il y a pas mal tout le temps de la bouffe. Parce que c'est important. Depuis qu'on est jeune, on a toujours eu de la bouffe. Quand on était plus jeune, c'était. En fait, ça a toujours été ça, des chips, de la liqueur. Moins, je sais pas, moins chocolat, peut-être. Il y a des temps, on avait des bouts, des bouteilles. Des chaudières de canju aussi, des bonbons. Fait que là, on avait des bonbons, puis tout. Fait qu'il y a toujours eu de la cochonnerie. Dans un monde idéal, ouais, il faudrait peut-être y aller dans les légumes, tu sais, mais non, on n'est pas des vaches, là, on mange pas de légumes, t'sais. On mange des cochonneries, tu sais. Bon, c'est sûr que nous autres, on reçoit le monde souvent, tu sais, on a des joueurs un peu plus fancy, hein, fait qu'on a, on avait du vin, là, on a moins parce que il y a des joueurs enceintes, fait qu'on les nourrira pas au vin, c'est pas bon pour le bébé, tu sais. Fait qu'il y a moins de vin, mais tu sais, des fois, un vin sans alcool ou quelque chose comme ça. De la bouffe, des fois on a des affaires exotiques. L'autre fois on avait des petits pois chiches ou des pois au wasabi. Il y avait une compétition de s'en criser le plus dans la gueule, tu sais. Fait que c'était bien divertissant ça de voir le monde se remplir la gueule de wasabi puis après ça de pleurer. C'est souvent. C'est pas tout le monde là, qui amène de la bouffe. Là. C'est souvent les mêmes qui en apportent ou à des occasions spéciales. Nous autres, on est semi-cheap. On fournit toujours de la bouffe, mais des fois, c'est les fonds de sac de chips de soit d'un party ou de la fin de semaine d'avant ou quelque chose. T'sais. Mais des fois, on fournit la gang avec des bons gros sacs de chips pleins de bonnes saveurs qui crunchent puis que ça fait du bruit quand tu manges puis que tu ouvres le sac. C'est écœurant. Mais c'est ça. Il y en a. Il y en a qui amènent jamais rien puis qu'ils se sentent crissement trop comme chez eux. Là, eux autres, ils arrivent puis ils vont voir de quoi sur le comptoir. « Hey, moi, je vais te prendre ça. » C'est parce que c'est pas sur le menu, connasse. T'sais, je veux dire, des affaires de même. Là. Mais c'est ça. Fait que en gros, ça ressemble à ça. Là, je veux dire, il y a toujours de la bouffe. Il y a toujours de quoi boire. On est une gang super plaisante. Puis je pense que c'est important d'avoir de quoi pour s'occuper. Tu sais, quand c'est pas ton tour de jouer, là, tu sais, faut t'occuper tes mains. Ça fait du bien, je pense, d'avoir l'esprit un peu tourné vers ailleurs tout en suivant la game. Là, tu as l'impression que tu tombes comme dans un film, puis là, tu manges tes chips, ton popcorn, en écoutant les autres jouer. Fait que c'est comme si t'écoutais quelque chose. Tu sais, ça fait de quoi de plaisant, je pense. Fait que. Ouais, ça fait probablement le tour de la question RPG A Week 10-2. C'est comme un monde à Mario Bros, c'est le 10-2. Fait que c'est ça, là, j'ai plus grand chose à dire sur la bouffe, là. Fait que c'était Jasage de jeu de rôle, puis RPG A Week, 10e semaine, 2e question. Et je viens de finir de travailler, puis j'ai juste hâte d'arriver chez nous pour manger. Bye!